Bien, donc là nous allons voir ce qui se passe maintenant, à la fin du tour de jeu. Donc ici dans la rivière j'ai 5 billes, donc l'eau qui avait été laissée ici plus les restitutions au milieu. Cette bille-là qui était dans cette zone de restitution distribuée entre la rivière et la nappe n'ayant qu'une bille, eh bien par exemple vous pouvez décider, puisque la règle normalement c'est 50-50, hein, 50% des billes à la rivière, 50% des billes à la nappe, vous pouvez décider que la première en fait va à la nappe et donc elle vient ici compléter donc la nappe dans ce petit sachet. Le ver va récupérer les retours d'eau usée et du canal. Donc ici, cet agriculteur hein, qui avait besoin de 2 billes d'eau, en fait, il n'y a pas de retour au milieu, hein, on a 0 retour au milieu. Il n'y a pas de retour au milieu ni du canal ni de ce jardin puisqu'il n'y avait pas assez d'eau pour les servir. Il reste les 2 billes eau potable ici de la station touristique qui sont transformées en eau usée, donc qui terminent ici à l'exutoire. Et donc, vous avez ici la sortie de l'eau. À l'embouchure donc de la rivière. Donc, à ce stade-là, sur le plateau, vous avez l'état en fait des différentes activités à l'issue de l'été et on peut regarder à ce moment-là, est-ce qu'il y a des activités qui n'ont pas pu être suffisamment servies en eau. Alors, je complète un peu le plateau, puisque là vous avez des activités sur lesquelles voilà, normalement vous devez avoir un jeton donc par exemple le jardin, les agriculteurs des terrains d'irrigation gravitaire. Voilà.